Bonjour, je te prie souriant, je prie sa belle et bien Seigneur. Vous savez, j'aime apprendre, donc je viens d'écouter une vidéo là. Et ça m'a aidé à faire cette vidéo là. Je veux un peu donner des conseils pour ceux qui veulent avancer dans la gloire, dans la grâce. Les nouvelles personnes. Ceux qui ont besoin de conseils et ceux qui veulent écouter mes conseils, ceux qui veulent appliquer, voici ce que moi je dis, si tu veux avancer. Bon, par exemple, il y a une là. Il y a une fille, parce qu'elle est dame, mais moi je l'appelle fille. Parce que c'est une petite fille chez moi au fait. Donc, je lui disais que Dieu m'a parlé. Elle se met devant moi pour dire comme tu dis que Dieu t'a parlé là, hein? Comme tu dis que Dieu t'a parlé là. Ce sont des gens comme ça là, ils vont rater, ils vont tout. Non, elle va, non, je sais pas, mais je vous assure que elle va rien apprendre. Elle ne va rien apprendre. Parce que lorsque tu rejettes ce qui est vrai là, tu vas te retrouver avec le faux. Comme c'est Dieu, comme tu dis que c'est Dieu qui t'a parlé là. C'est comme si, comme toi tu penses que c'est Dieu qui te parle. Ça veut dire que ma délivrance même là, elle n'a pas cru. Ma délivrance du fétiche devant elle, je suis tombée malade. Devant elle, tout s'est passé. Elle a bien vu. Délivrance du fétiche, ça veut dire la gloire. La gloire, la gloire. Je dis gloire, gloire, gloire. La gloire. La gloire de Dieu est venue devant elle. Elle ne l'a pas reconnue. Devant elle, j'ai failli mourir. Tout s'est passé devant elle. Elle a tout vu. Après ça, là, elle a vu comment Dieu m'a délivré. Tout ça, là, ça a passé devant elle. Elle n'a rien vu dedans. Donc, des gens, des personnes comme ça, là, ce sont des perdants. Dieu est venu et ils n'ont pas reconnu. Dieu est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, moi, par exemple, je respecte tous ceux qui m'apprennent quelque chose. Tous ceux qui m'inspirent, je les respecte. Parce que j'ai remarqué une chose avec Dieu là. Si tu veux avoir quelque chose là, respecte la personne qui est en train d'enseigner. Si tu n'as pas le respect sur une personne qui est en train d'amener une information des enseignements, tu ne vas rien recevoir. Oui. J'avais une dame là, c'est pas parce que je la méprisais, c'est pas parce que je ne sais pas, mais je ne la connaissais pas. Et quand je mets sa vidéo, c'est comme si, vous voyez, souvent, je ne sais pas comment je vais expliquer, Saint-Esprit aide-moi, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est comme si tu es aveuglé ou bien, je ne sais pas comment je vais dire, parce que cette femme-là, je ne la connaissais pas. C'est comme, je ne la méprisais pas, mais je ne sais pas quoi. Donc, je la voyais, je voyais les vidéos et je disais, mais c'est qui est cette femme-là? Et puis, je n'ai pas pris le temps d'appuyer pour l'écouter. Donc, je passe, je dépasse ces vidéos-là. Maintenant, un jour, je me suis dit, attends, je vais écouter cette femme. Et puis, quand j'ai commencé à écouter, c'est comme si j'ai commencé à la respecter.
C'est là que j'ai commencé à comprendre des choses. Je me suis dit, oh, mais elle prêche bien. Vous voyez, c'est comme si je... Bon, dans mon cœur, je ne l'ai pas rejetée, mais c'est comme si tu rejettes quelqu'un. Moi, chez moi, je ne l'ai pas rejetée, mais c'est comme si tu ne considères pas quelqu'un, tu ne vas pas recevoir de cette personne. Donc, c'est un peu ça pour mes conseils. Le respect, la considération, la considération, elle est très importante. Le respect est très important chez des personnes que Dieu a mis là. Parce que les personnes que Dieu a mis là, il y a son esprit en eux. Et quand vous respectez la personne, vous respectez Dieu, en fait, vous respectez le Saint-Esprit. Donc, il faut le respect. Là, vous allez comprendre. Là, vous allez recevoir quelque chose de cette personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu ça. Jésus-Christ sourit, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Bye.